kwa kura. Kama wanasema wanatuma polisi kusekirize. Polisi haiko kwa ajili ya kusekirize. Tunafunga kinywa, mtu anafunga kinywa achoko zake polisi. Mtu anafunga mikono achoko zake polisi. Tunasikilizana? Ndio. Tunaingia hivi ni ya kwanza. Tunaingia kule vile. Tunaona kuli nyuma si hivi. Ok. J'ai une question à vous poser. Qui est le chef qui connaît le fil? Qui connaît le fil? Donc, il y a un chef. Vérité. Nous sommes venus avec la lettre de Ok. Moi, je veux savoir. Est-ce que vous êtes autorisé à marcher? Donnez-moi la lettre, l'autorisation, c'est pas le même. La cuisine de réception de la ville et de la police ici. Eh, Makelele. Le chef est en train de parler, il y a bon, qui parle là-bas. Moi, je crois. Eh, qui l'a est? Moi, je crois bien. Ceci ne constitue pas une. Vous avez informé aux autorités politiques. Bon. Qu'est-ce qui devrait se passer? L'autorité devrait vous répondre avec une lettre que vous avez écrite. À son tour, vous devrez vous écrire. Comme il ne vous a pas écrit pour dire que marché est. Yo! Que la force reste à la loi. Ouais. Nous sommes la police nationale congolaise. Nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas venus mais non, commandant. Vous c'est marqué. Il faut que vous puissiez nous passer. Votre marche n'est pas d'accord. Vous allez rentrer. Merci, mon commandant. Et ça sera une bonne manière d'agir. Merci, mon commandant. Si vous n'avez pas répondu, allez encore. Écrivez encore. Il y a un commandant de réception. Ça, c'est la cuisine de réception. Vous pouvez m'adresser une lettre. Ouais. J'accuse réception. J'accuse réception. Est-ce que j'accepte? J'accepte. Je donne que l'autorité décrit. Mon commandant, demande que il faut que l'autorité vous réponde. Mon commandant, allez parler. Vous nous autorisez de parler? Oui, vous êtes autorisé. Alors, merci beaucoup, mon commandant. C'est tout pour votre sagesse. Nous sommes très contents. Nous connaissons très bien. Oui, juste le coup de parler. Nous connaissons très bien qu'il y a une peur, qu'il y a une crainte de toute la population. Quand il s'agit d'une activité qui vient d'ici, les gens pensent que les gens seront violents. Et c'est pour cette raison que l'autorité a eu la crainte de dire que okay, ces gens peuvent être violents. Ça, c'est une chose. L'autre chose, nous devons vous écouter. Nous écoutons vos conseils. Nous écoutons tout ce que vous pouvez nous dire. Et si vous nous dites. Nous avons écouté. Hey, Makelele. Nous écoutons ce que vous nous dites et nous vous posons cette question. Est-ce que notre mémorandum. Notre mémorandum est arrivé d'une manière ou d'une autre. Pas même d'une manière. Pas même à ces manifestants. Même par un simple. Et vous pouvez envoyer quelqu'un pour aller les déposer. Délégation de trois. Et vous prenez une moto ici et vous partez. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? Non. Nous pouvons ici. Moi, je vous dis d'abord ceci. Prêts d'y aller, mais moi, je vous si dis. Si vous nous accordez cette chance-là, moi, de vous accompagner, vous moi, avec moi, moi je dis ceci. Votre marche n'a pas été autorisée. Mais si ça devrait être autorisé, on devrait nous informer et on devrait prendre des mesures d'accompagnement. Et que nous alors, ici, la marche n'est pas autorisée.
simple conseil. Alors, simple conseil. Nous avons de rater parce que nous avons la de nous retirer. Moi, je vous conseille de se retirer parce que nous avons nous retirons pour nous concerter. Bon, c'est concerter ou pas écouter. Non, non, parce que nous avons la force d'agir immédiatement. Même si vous voulez avec des armées, de quoi nous sommes prêts. Ici, moi, je négocie pas. Je vous dis simplement de rentrer. Je ne négocie pas. Et puis, mettez en tête, nous avons... Hé, hey, yo, tigay, papa, vous venez en ordre. Rentrez, vraiment, rentrez calmement, étant de bons citoyens. Nous ne voulons pas ce qui est de pire. Rentrez calmement. Et ça va donner une meilleure mémorandum. C'est pas grave. Encore on a dit. Et d'ailleurs, c'est dans la même circonstance. Il ne fallait pas à ce que moi et vous, nous puissions se retrouver ici. Mais c'est parce qu'on vient se rencontrer en cours de route. C'est pourquoi moi je vous demande simplement de rentrer et pour répartir les pires. Ok. Allez, Mekuna. Et notre copie est réservée à la police. La copie réservée à la police, vous pouvez descendre, vous pouvez envoyer quelqu'un, aller les déposer au niveau du commissariat provincial de la police nationale. Là, il y a, vous trouverez le secrétaire général. Merci, mon commandant. Eh, Makelel. Keba. C'est pas grave. Nous avons dressé notre mémo auprès de l'autorité à recevoir une partie à quinzaine de réception. Parce que le régime est une information. Malheureusement, la police, il n'y a qu'à wing, il n'y a qu'à tout en amont en Athènes. Nous avons été trop pacifiques, à tout coup violents. Si un bac à mémo est tout, il fait que coup destination. Tout qu'on a besoin de mémo, il fait que coup destination. Quel que soit police, coup à parler, mina wazia police, y'a une droite à Kutuambia, tout si en amane, ça a vu le chef à Kawaj. Donc, bipande, bichouke, tout n'a pas fait que mémo est tout, coup destination. Mimi na itwa apote Mamadou Nyangi, niko militant wa Lucha. Na militant wa MNC, iko hapa, tout n'a pas fait que kwa ajili ya kamarade wetu mwenye alifungwa. Kamarade wetu wa MNC njo mwenye tuko na tunafuatilia kusema tunaenda weka memo yetu ba autorite yetu ba ville ya Goma. Ba autorite balituambia kama ule mtu hana kosa lolote. Sasa tunataka beba memo yetu twende tureklame mtu wetu tuko pacifique très pacifique tunakutana na balisha ya alisha ba askari kubalabala. Finalement hatuyue. Kisekedi mwenyewe alituambia liberté d'expression akatuambia nani tutakuwa na marche pacifiquement hakuna mtu mwenyewe atatuchokoza atafanya kokote afete tunaenda ona tena olea kutupatia droits zetu president lui même ananza violer droits zetu gisi alitulagaka tunapasha marche pacifiquement sasa atuambie kama tuko mu rebellion ama tuko mu gouvernement yenye iko a place yenye iko natumika sawa vile gouvernement ya kuchunga batoto ya mwingine parce que sasa tunateremuka tukuteremuka jua kwenda pigana na mtu. Mémorandum de la population de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo. À messieurs les gouverneurs de la province du Nord-Kivu. Messieurs les gouverneurs,
C'est par un sentiment d'indignation que nous, la population de Goma et du territoire de Nyiragongo, ici présente, vous transmettons à travers ce mémorandum notre indignation face à une violation grave de la loi et une injustice notoire relative à l'arrestation arbitraire et la détention illégale de nos compatriotes. Mumbere Eric Bwanapua, Mumbere Love et Jean-Paul Makeusa, c'est là depuis le vendredi 14 février 2020 au Festival Amani. En effet, en date du vendredi 14 février 2020, nos compatriotes précités participaient à une manifestation non violente pour exprimer leur point de vue quant à l'organisation de la prochaine édition du Festival Amani dans la ville de Beni. La manifestation a été organisée dans le strict respect de la loi de la RDC et de la Constitution congolaise. La lettre d'information avait été déposée chez le maire de la ville de Goma. La police avait sécurisé la dite manifestation jusqu'au point de chute au festival Amani où le mémorandum a été lu dans la quiétude et les organisateurs du festival Amani ainsi que la police, tous ont salué le caractère pacifique de la manifestation et les raisons fondées de son organisation. Pendant que ses compatriotes suivaient en toute quiétude le déroulement des activités culturelles dans les festivals, comme tous les autres festivaliers, des éléments de la police venus à bord de trois jeeps ont invité Mumbere Eric Bwanapua, l'un des membres du mouvement citoyen MNC, pour un entretien avec le nouveau commissaire provincial de la police congolaise, le général Van, pour le conseil. Ne se reprochant de rien, les compatriotes, comme tout citoyen intègre et normal donnant confiance à la PNC, il avait accepté l'invitation en se faisant accompagner par trois autres membres du mouvement citoyen MNC. Fort est de réaliser malheureusement que c'était juste une stratégie de la police pour arrêter ses compatriotes sans aucun mandat d'arrêt, ni un mandat d'amener, ni moins encore aucune flagrance n'avait eu lieu. Ils avaient ensuite été détenus illégalement pendant 4 jours dans un cachot secret sans aucun droit à une visite ni à une assistance familiale ou des avocats. Ils ont ensuite été transférés au parquet des grandes instances de Goma qui les avait auditionnés durant 3 jours avant d'être transférés à la prison centrale de Munzenze, 3 personnes bien qu'ils étaient arrêtés à 4. Le parquet est entré de les incriminer de l'association des malfaiteurs et de la participation à un mouvement insurrectionnel, même la justice sait très bien que ses compatriotes ne sont impliqués ni de près ni de loin dans une quelconque association ayant pour objectif de nuire à l'autorité ou aux institutions publiques établies. Ces accusations sont très graves et ternissent l'image de toute justice en qui nous avons toute notre confiance et nous avons l'espoir que cette justice va dire les droits au lieu de se focaliser sur des rumeurs et des spéculations sans aucune preuve ni indice. Il est très dangereux. Trésor, toi comme image, papa. Ces accusations sont très graves et ternissent l'image de notre justice en qui nous avons tout notre espoir et confiance, mais celle-ci se focalise sur des rumeurs et des spéculations sans aucune preuve ni indice. Il est très dangereux de porter de pareilles accusations aux citoyens sans la moindre preuve. Nous mettons à défi toute personne qui présentera la moindre preuve tangible prouvant la culpabilité de nos compatriotes. Considérant que la Constitution congolaise, notamment en ses articles qui garantissent la liberté de manifestation, et le code pénal congolais qui protège la vie privée et la réputation de chaque citoyen, nous exigeons la réparation pour les imputations dépourvues de toute preuve et de tout fondement. Monsieur le gouverneur, vous le savez aussi très bien comme nous que la règle c'est la liberté et l'exception c'est la condition dans laquelle sont actuellement nos compatriotes. Nous vous exhortons d'obtenir une libération immédiate et sans condition de ces concitoyens. Et nous vous demandons votre implication en tant que responsable du Conseil provincial de la sécurité, en tant que le numéro 1 de la province, afin que la justice soit réellement faite. Et qu'il n'y ait pas d'implication politique ou tribale dans cette question. Cette arrestation injuste risque de nous causer tous assez de peine, car l'injustice ne doit pas continuer à primer sur la justice. Votre implication aussi en faveur de leur libération
traduit un intérêt de faire respecter la loi dans votre pays et de décourager les arrestations arbitraires motivées par le trafic d'influence qui ne doit pas continuer dans un état de droit. Fête à Goma le 27 février 2020, signé par la population de Goma et de Nyiragongo. L'interdiction de votre marche aujourd'hui. On ne connaît absolument rien, c'était juste une manifestation de la population. Et le fait qu'ils sont en train d'interdire la dite manifestation, on va avoir plus de problèmes. Et la population n'a pas, la masse n'a pas d'âme, nous on s'en fout du reste, la population va se prendre en charge. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour réclamer la libération de nos trois frères qui sont arrêtés injustement à la prison centrale de Mounzenze. Et nous avons pris le soin d'adresser la lettre au maire de la ville. Mais nous sommes surpris l'armada de la police qu'on a déployée pour nous mater. Et on ne comprend pas, est-ce que c'est l'état des droits qu'on nous a promis ou bien c'est la dictature qui continue, la dictature de M. Kabila qui continue encore. Oui, mais... Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? La police a fait quoi? Alors nous on était tout simplement en train de nous déployer, on était en train tout simplement en train d'arranger nos troupes pour aller au gouvernorat comme nous l'avons annoncé préalablement au maire de la ville. Mais nous avons vu une masse, je crois après à peu près deux bataillons de la police qui sont venus en armes, sans même gaz lacrymogène, sans même les armes non létales. Juste apparemment ils sont venus avec les tensions de faire mal. Et c'est regrettable pour notre pays qui se disent être un pays démocratique, un pays où les lois de la République doivent être respectées. Selon l'article 26 de la Constitution, on devrait tout simplement annoncer au maire de la ville, et nous l'avons fait. Et la lettre est là. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? La lettre est là. Il y a accusé de réception. L'accès de réception des maires de la ville. Et nous, on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut déployer une telle armada pour nous mater. Et c'est ce qui veut dire que l'arrestation de nos frères, c'est vraiment quelque chose qui a été planifié. C'est apparemment un crime bien organisé pour les arrêter arbitrairement. Parce qu'on ne comprend pas tout simplement comment est-ce qu'une simple manifestation pacifique peut entraîner autant de policiers pour réprimer les gens. Non, on les accuse d'avoir participé à des mouvements insurrectionnels, je sais pas quoi. Mais il y a même des gens qui disent qu'ils ont porté les armes sans aucune preuve, sans aucune photo qui prouve. Et vous êtes sans ignorer que moi, on m'avait dit que j'avais pris les armes à un certain moment. Et personne n'a jamais apporté une preuve. Ce qui veut dire que ces gens, ils essaient de faire la politique. Celui qui veut noyer son chien, l'acquise de la rage. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, c'est regrettable pour un pays qu'on est en train de nous vanter tous les jours que c'est un pays des droits. La manifestation vient d'être interdite, vous allez continuer à manifester, en train de faire mal à la maison. Nous allons manifester. Parce que s'ils ne veulent pas que nous puissions manifester par les voies légales, nous allons trouver d'autres moyens. Parce que comment est-ce que nous avons prévu un itinéraire qui a été bien tracé et qui nous refuse de marcher pacifiquement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Un camp de manifestation
Nous allons prendre des voies légales pour obtenir sa libération. Vous avez vu, c'était même un passant. Mais dans quel foutron c'est M. Félix Tshisekedi nous a mis? Tout le temps, nous nous disons que c'est un pâté de M. Kabila, les gens refusent. Mais regarde, c'est une de plus. Comment est-ce que lui qui veut dire qu'il veut la démocratie, il veut un état de droit, qu'on puisse arrêter quelqu'un parce qu'il était tout simplement en train de regarder les manifestants? Dans quel pays nous sommes? C'est ça la justice qu'on nous a promis. Ils ne nous ont pas brutalisés parce que nous avons été sages. Aujourd'hui, nous étions déterminés pour être pacifiques et jusqu'au bout, raison pour laquelle. Mais si nous, tout simplement, on a voulu se débattre pour faire respecter nos droits, imaginez la suite, qu'est-ce qui pouvait être là? Il y avait des enfants, il y avait des femmes. Ce sont des milliers de Congolais qui allaient se blesser inutilement et nous, on n'a pas voulu prendre ces risques-là.